Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Oh yeah. Salut. Oui, bonjour YouTube. Voilà, vous voulez que je tape un peu plus sur le bureau? Ben on va taper sur le bureau. Ici Mutsu, vous êtes sur Immersive TV, j'espère que vous allez tous bien. Salut toi qui dors. Ah ben c'est le grand Ben Big. Hop, anti-bag. Ben Big, voilà, c'est fait. Le respect est en prison, les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Nawark Ultimate. J'espère donc que vous allez bien. On retrouve tous nos amis les dinosaures. Tout le monde va bien. Les copains ont joué dans l'épisode. Alors, vous l'avez pas vu parce que moi, j'y étais pas. Mais les copains ont joué. Ils ont fait quelques petits trucs, tout ça. Ils ont notamment, je vais voir, récupéré une Beetle. C'est cool. Il nous en manque plus que deux, je crois. Et dans cet épisode, les amis, on va nommer donc les manticores, on va nommer un petit peu tous les dinosaures. Oh, j'ai faim. Ben, quand tu as faim, tu manges. On va donc nommer les dinosaures et ensuite, on va commencer à construire le compi évolution de la muerte qui tout. Donc, autre chose aussi, j'ai lu tous vos commentaires, hein, vous l'avez vu, j'ai essayé même de répondre à tout le monde, absolument à tout le monde, ça a été très long. Mais du coup, j'ai récupéré toutes vos idées, donc... Parmi ce qui est ressorti globalement, au niveau de la construction, les amis, ça, on le fera dans la saison 8. Saison 8 qui va commencer très prochainement, ne vous inquiétez pas. Mais bon, tout ce qui est construction, donc sur Nawark, comme je vous ai dit, le serveur va bientôt fermer. Pas encore, mais bientôt, on fera donc tout ce qui est construction plus tard sur la saison 8. Après, pour donc tout ce qui est le timing et donc Eternal, on va essayer de couvrir absolument tout le mode. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se tenter le compi. Et ensuite, dans les épisodes prochains, on continuera l'évolution du compi, etc., etc. Et on essaiera donc de faire toutes les évolutions de dinosaures. Puisque vous le savez, il y en a encore d'autres. On n'a pas encore tout fait. Donc, on essaiera absolument de tout voir avant que ça ferme. Et puis, si jamais Nawark ferme entre-temps, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà prévu la solution de rechange pour pouvoir finir et couvrir donc tout ce mode Eternal qui est, il faut le dire, je trouve, un mode à dinosaures fort sympathique. Fort sympathique. Donc, je vais sortir la petite liste. Les amis, ne bougez pas. Donc, on va commencer par par les manticores. Non, on va commencer par voilà, la femelle Gigano. Donc, la femelle Gigano, alors, ça a été dur. Et bien entendu, vous êtes très nombreux à donner des pseudos. Donc, il faut faire des choix, les amis. Désolé si vous n'avez pas été choisi, mais ne vous inquiétez pas. Vous le serez peut-être dans les prochains. En tout cas, vous avez rivalisé d'ingéniosité de nom. Et pour le Gigano donc, j'ai retenu deux noms. Il y avait Godzillark ou Bloodzilla. Je vous avoue que Bloodzilla j'aime bien. Donc, oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis en majuscule. On va l'appeler Bloodzilla. Hop, Bloodzilla. Voilà. Ça lui va bien, tu t'es fait croquer par qui? Par Bloodzilla. Qu'est-ce que toi vous Glampel? Bloodzilla. Donc, j'aime bien, c'est pas mal. Ensuite, vous avez aussi fait une petite remarque par rapport au gorille. Vous avez voulu l'appeler Unga. Il est vrai. Il est vrai que ça lui ressemble un petit peu. Ah merde, je peux pas le renommer? Si, ça y est, ok. Donc, il est vrai que ça lui ressemble un petit peu. Mais moi, j'aimais bien Buff aussi. Donc, on va Unga Buff. Voilà. On va garder les deux. Mais en hommage à notre très cher Unga. Enfin, en hommage. Oui, en hommage. Bon, voilà. Ensuite, ça c'est fait. Maintenant, les manticores. Alors, les manticores... Vous en avez donné des pseudos, mais des dizaines et des dizaines. Il y en a beaucoup parmi vous qui parlent de Jackie et Michel. Bon, je suppose que vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez de ça. Mais bref, quoi qu'il en soit, voilà. Ce ne sont pas des pseudos que je vais retenir a priori hein, pour les manticores. Vous avez choisi aussi parmi vous, c'est beaucoup revenu, de nommer le mâle Lucky parce qu'il était chanceux d'avoir autant de femelles pour lui tout seul. Pourquoi pas. Mais bon, vous avez rivalisé d'ingéniosité pour choisir les noms. Vous avez choisi des noms. Vous vouliez par exemple qu'on les nomme comme pour le roi lion. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. Mais bon, sincèrement, les amis, une bestiole comme ça dans le roi lion, je pense que le dessin animé n'aurait pas eu le succès qu'il a eu à l'époque. Et à mon avis, il n'aurait pas été montré aussi largement aux enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Papa, pourquoi le gros lion, il a mangé absolument tout le monde et il a tout fait brûler? Enfin bon, bref. Voilà. Donc voilà. Parmi, du coup, les pseudos, parce qu'il y en a plein, j'ai tout noté. Mais ce que je me suis dit,
ce que je me suis dit, c'est que on allait essayer de retenir un petit peu un pseudo de chacun d'entre vous. En tout cas, du maximum. Parce que bon, vous savez, on ne peut pas tous les retenir. Donc déjà, pour le mal, il y a une personne parmi vous qui a dit qu'on pourrait nommer le mal... Alors, c'est pas lui. On pourrait le nommer Roy. Parce que c'est un petit peu le roi au milieu de tout le monde. Voilà, c'est lui. Donc j'aime bien. J'aime bien. Donc lui, on va l'appeler Roy. Voilà, mon cher. Ça, c'est fait. Ensuite, on a une, deux et trois femelles. Donc... Celle-ci. Alors, je voudrais juste vérifier quelque chose. Où est-ce que... Afficher les ancêtres. Donc, ok, elle est... C'est la première. Donc ça, c'est la maman. C'est la maman. Donc, il y a plein de pseudos. Progéniteur, Bagheera, Mal le Chanceux, Firefly... j'en avais eu un qui était pas mal aussi, c'était Mon Petit Corps. Donc par exemple, celle-ci, on va l'appeler Mon Petit Corps, je trouvais ça rigolo. Mon Petit Corps, hop, voilà. Une autre personne aussi avait donné Anticorps. Je trouve ça rigolo aussi, les petits jeux de mots, j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Hop, donc voilà, pourquoi pas, hop, ça c'est fait. Et la dernière qui est là-bas, donc... J'en ai noté plusieurs. Morticus c'était pas mal. Attendez, hop, on remonte un petit peu dans la liste. Parce que comme je vous dis, j'en ai noté plein pour pouvoir un petit peu vous les citer aussi. Il y avait des tic et tac. Oh, il y a une personne, j'avais bien aimé. C'était Mantico-re. Je trouvais ça rigolo. Manman aussi, je crois. L'un d'entre vous avait Maman, Titi, Cocor ou un truc comme ça. Je trouvais ça rigolo aussi. Mais du coup, il va falloir en choisir un. Et je pense que pour la dernière, on va prendre Morticus ici. Hop, changer de nom. Morticus. Voilà, parce que je trouve que ça lui va bien. Donc, ceci étant fait maintenant, les amis, on va donc procéder à la chose suivante. On va prendre donc le mal et... On va prendre... Toi... Afficher les ancêtres. Ok, parfait. Donc toi, viens là. On va avoir besoin de toi. Donc, tu es une femelle, le mâle est en bas. Hop, on va faire une reproduction, les amis. Donc, afficher les ancêtres. Et eux, est-ce qu'ils sont de la même famille? Non, je crois pas. Attendez, je revérifie. Ouais, si c'est ça. Lui, il a déjà une... Il a déjà été reproduit. Donc si on veut essayer de choper des mutations, hop, on va la garer. Il y en a un parmi vous aussi qui a demandé qu'est-ce qu'on range la base. Pauvre fou. Hop. Et voilà. Allez. Ça, c'est un peu embêtant. Le fait que... Promenade. Attendez, est-ce qu'elle peut... Ouais, je pense qu'elle est prête pour l'accouplement. Activer la prom-prom. Allez, c'est parti. Donc ça, on va se le faire en ellipse. Et ensuite, dans cet épisode, comme je vous l'ai dit, on va... là, ça, je vais les laisser faire et je vais aller vous montrer. Hop. Donc dans cet épisode, nous allons fabriquer le compi évolution. Donc, Matrix Ozor... Et c'est celui-ci, évolution compi matrix. Donc il va nous falloir 100 dino blood. Tiens, ça c'est quoi? Bionic giga. Ouais, non. 100 dino blood. Donc, on doit en avoir quelques-uns, quelque part. Mais, attendez, je vais aller vérifier. Elle est où? Elle est là-bas. Je vais aller vérifier sur la manticore bionique. Madame 4 millions de dégâts. Si on en a pas. Non, on a du dino DNA. Ah si, il y en a là. Ici, 8. Ok. Donc, ça, je vais vous le faire en ellipse. Il en faut 100 et on va aller donc farmer tout ça. Comme je vous le dis, on va faire en ellipse par contre. Parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, je pense que je vais y aller avec la manticore. La manticore bionique, histoire que ce soit vite fait, bien fait. Ils en sont où Ça y est, ils ont fini? Ils ont fini ou ils y arrivent pas? Encore, j'ai faim. Ah, mauvais bouton. Pardon. Ils y arrivent pas, les amis. Ok,
Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Ok. Parfait. Donc, comme je vous disais, on va aller farmer du Dino Blood. Je réfléchis en même temps à vos suggestions. Et... Donc, par rapport au nom, hein, les amis... bon, voilà. Hein, comme vous comprenez bien qu'on peut pas tous les choisir. Et que du coup, à un moment donné, il faut faire des choix. Et j'essaye de vous contenter le plus possible par rapport à ça. Mais il faut aussi comprendre que... on peut pas prendre toutes vos idées. Malheureusement, c'est pas possible, il y a pas assez de dinosaures pour ça. Il a droppé un sac? Non, il ne m'a pratiquement rien donné. Très bien. Ok, donc, j'essaie de réfléchir un petit peu par rapport à vos suggestions. Mais je crois qu'on a plus ou moins fait le tour par rapport à donc l'épisode précédent où je vous avais demandé un petit peu ce que vous vouliez voir. Je vais, pendant l'ellipse, là où je ferme du sang de dinosaures, je vais un petit peu refaire le tour sur mes notes pour voir au cas où si je n'ai rien oublié. Et puis, nous, on se retrouve juste après, les amis, pour la suite de nos aventures sur Nawark. A tout de suite. Allez, de retour, les amis. Donc, ça y est, notre ami Anticor, la Manticore, a terminé de faire ses petites affaires avec Roy. J'ai laissé Roy sur le toit. Et j'ai mis donc la femelle ici pendant qu'elle fait sa petite gestation. Nous allons, donc ça y est, j'ai récupéré tout le Dino Blood, etc. dont on avait besoin, créer le fameux compi. Donc là, je vous avoue que ça, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, comment ça va se passer. Donc déjà, ce que je sais, c'est qu'on va avoir besoin du sang de dinosaure. Hop, ici. Matrix, Ozor. Evolution Compi Matrix. Ok. Vas-y bébé. Là il se passe quoi? C'est un truc, ça descend, c'est ça? Non? Oui? Ça va me faire un... D'accord, ça me l'a mis là. Ok, je peux le récupérer. Très bien. Ça j'imagine qu'ensuite je le prends dans mes mains. Et je le fais spawn ici comme ça. Oh pauvre. Oh qu'il est beau. Salut toi. Coucou. Oh punaise, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il est en train de mourir déjà ou pas? Non. 7560 points de vie. Ok. Très bien. Every 60 secondes, your dino will grow in age. Toutes les minutes. Ok. One age. Il faut une viande crue supérieure. Et ici, il n'y a rien écrit. D'accord. Et ça, c'est quoi, will evolve? Dino age. Ah, d'accord. Il lui en faut plusieurs. Très bien. Une alpha. Non, 10 alpha kibble et 10 eternal kibble. Ok. Alors, tiens, prends ça. Ça y est, c'est parti, il est en train de nous faire des Dino Age. Ah, il en avait déjà un avec lui. Ça, ça en est un. Ok. Il est comblé. Ah oui, ça va être long. Ok. Allez, viens, mon gros. Viens, mon gros, viens, mon... Oh là là là. Attends, est-ce que tu serais pas un peu full? Non, c'est bon. Je vais essayer de le récupérer dans mes papates. Si tant est que ce soit possible. Rien de platillade. Vas-y mon gros. Ah, j'ai fait planter le serveur, je crois. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. Wouh. On va arrêter de faire des trucs chelous du coup et on va y aller simplement. Hein. Avec ces dinos bioniques, à chaque fois qu'il se passe un truc un peu trop bizarre, j'ai peur de faire planter le serveur, c'est horrible. Il est lent, il est très lent. Je me demande si je peux pas le prendre sur l'épaule, il me semble que oui. On va tester ça tout de suite, je vais aller le chercher. Elle, on va la garer. Ah mais elle est en train de mourir de faim, elle. Elle est en train de littéralement mourir de faim. 150... Ah ça y est, ça remonte. Ah fois. J'ai l'impression qu'en fait les bioniques, au plus on les utilise, au plus ils ont faim. Il faut arrêter de s'en servir pour que... Un peu comme de l'essence, sauf que c'est pas rechargeable. Ou pas, je sais pas, vous avez sûrement la réponse dans les commentaires. Alors n'hésitez pas, faites vous plaisir. Et toi je peux pas te ramasser, te prendre sur l'épaule. Je vais pas te stériliser. Changer la distance. Non. Ok, allez go. Dis moi mon petit. Oh là là, il est pas pressé le garnement. Pousse-toi. Ok, bon, il arrive. Donc,
Du coup, vu que je me doutais que ça allait être long quand même, parce que c'est un peu le truc Uber cheated apparemment à faire sur ce mode-là, parmi les petites choses que vous m'avez proposées donc pour la série et que j'ai notées, on va aller, je pense, avec la Manticore bionique, bien que elle est en train de mourir à petit feu. Donc, je sais pas si on va prendre la bionique, mais peut-être prendre une Manticore normale. Et on va aller se rendre donc dans le biome du. Bon, on va prendre la bionique parce que sinon ça va être dangereux, je pense. Dans le biome du volcan là-bas, là, vous savez, où c'est ultra dangereux. Et on va aller absolument tout fracasser. Donc, limite, pour ça et pour rigoler, je pourrais peut-être faire intervenir des pouvoirs divins parce que je crois pas qu'on ait tout ce qu'il faut là pour le faire. Bien que je ne sois pas tout à fait sûr avec les Beatles maintenant. Mais se tenter, se tenter, se tenter. Voilà, ça. Ça, j'avoue que ça pourrait être drôle quand même. Et d'y aller avec ça. Parce que je sais plus lequel parmi vous. Vous êtes plusieurs même, je crois, à m'avoir dit. C'était si je trouvais la Manticore abusée. Celui-ci, j'allais le trouver complètement over-cheated. Moi, je dis pourquoi pas. A priori, on est là pour tester aussi, hein, donc why not? Why not, why not? Ok les amis, nous voilà sur les lieux du crime. Alors, je vais tenter de poser Monique. Ouvrir l'inventaire. Merde. Monique. L'heure est grave, Monique. Oh putain. Oh putain, Monique. Monique, bébé, reviens. Ah, je vais mourir. Vite. Vite, vite, vite. Oh, putain, juste quand je le sors, quoi. Le con. Oh, merde. Oh, mais non, mais please, quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, c'est pas grave, on va y retourner. Ok, de retour, les amis, après ce magnifique fail dans lequel bah, je viens de me faire concrètement éclater par deux dodos. Hein. Ils sont arrivés et pif, paf, pouf, ils m'ont défoncé. Bref. Regardez-moi ça, si c'est pas beau et si c'est pas gros. Alors en arrivant, j'ai vu que c'était un gros bonhomme. Un gros bonhomme qui est coincé. Non, il est coincé. Sérieusement? Il me suit. D'accord. Ah, je vais mourir. Non, ça va. Là, ça y est, tu t'es décoincé, mon gros. Que je fasse gaffe parce que le premier truc qui va arriver sur moi va me croquer et me tuer. Ok. Allez, on y est. Okay. C'est quoi ces bestioles là? Ah, c'est des dodos de merde. Bif. Oh là là. Oh. Hey, bif. Bif. Alors, est-ce qu'il y a un clic droit? Oui, il y a un clic droit. Il tape avec ça, d'accord. Hein, ça prendra. Je te mets des 7 millions parce que j'ai pas le temps. Si j'appuie sur C, il se passe un truc. Il y a un. What? Comment? C'est moi où je fais caca des giganos? Ou alors c'est quand j'appuie sur C, peut-être? Mon Dieu. Pourquoi ils ont apparu ces trucs? C'est quand je tue des bébêtes? On est chez nous ici. Je te mets des 7 millions. Et alors attendez, parce qu'en plus là je vais lui booster les dégâts. Combien il a de points de vie? Oh mon Dieu, ah oui, il a quand même un certain nombre de PV. Il est en train de prendre, hein, quand même. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Je vais faire planter le serveur, je pense. Il y a possibilité de, je pense, là. Concrètement. Lui 28 millions de dégâts, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Est-ce que ça serait pas un Resurrected Wyvern? Non. Et lui, c'est quoi lui? Resurrected Raptor. Toi, tu fais quoi dans la vie, toi? 31 millions de dégâts. C'est un giga, c'est un basique. Yeah. Mon Dieu. Le son est fort, hein, j'ai l'impression. Pas grave, ça nous mettra dans l'ambiance.
Ta gueule, voilà. Mon dieu, qu'est-ce qu'il fait? Tu me rayonnes. Mais tu me rayonnes pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous l'annonce, hein, je Akignator, d'accord. Je vais rester ici jusqu'à la mort du bestio. Il est coincé, je crois. Il est coincé, je vais devoir descendre. Allez, je descends. Est-ce que je vais avoir le temps de faire ce que je veux faire? C'est-à-dire de le mettre en agressif. Accéder à l'inventaire. Régler la truc sur agressif. Voilà. Vas-y, mon gros. Vas-y, mon gros. Allez. Ah, mais tu me suis. Vas-y, va faire ta vie. Non, tu fais pas ta vie. Est-ce qu'il est coincé? Genre neutre. Là, normalement, il est en agressif. Ah, voilà. Merci. Ok. Moi, je vais gentiment aller me jeter, je pense. Ah, mais ça sert à rien. Ah, ben non, attendez, je vais aller récupérer. Ouh, je vais jamais y arriver, je pense. J'allais dire, je vais aller récupérer Monique. Et ensuite. Et ensuite rentrer à la base. Est-ce que je vais pas mourir là dans d'horribles souffrances? Est-ce qu'on peut monter sur ça? Oui, on peut. Cool. Allez, on va faire ça en ellipse. Je vais récupérer Monique. Je boing. Et je boink. Donc je vous dis, hein, je vais récupérer Monique. On va rentrer à la base. On va s'occuper du compi. C'était assez rigolo. Le problème, c'est que c'est déjà complètement OP. Et puis en plus, c'est quand même assez lent. Donc pour se déplacer avec, c'est pas pratique. Là, on ne voit absolument plus rien. On reviendra ici avec une autre bestiole encore, hein, pour fracasser des trucs. Waouh, ça fait mal aux oreilles. Elle est où, Monique? Et Monique est là. Allez, les amis, de retour à la babase. Est-ce que je peux réparer? Oui. Hop. Ah merde, j'ai plus assez de matos. Bon, c'est pas grave, on va mettre que le pantalon. Hop. Donne le pantalon, donne. Donc, on est de retour à la babase. Il fait très froid. Tiens, viens là, toi. Il fait très froid et le bébé va naître. Il va naître là, d'ici peu, alors qu'on aperçoit ici un Stegito. C'est le nom, hein, qu'ils lui ont donné. Ça fait partie des nouveaux dinos, je pense, ça. Oui. Ok. Reste ici, mon gros. Donc, anticorps, normalement. Ah ouais, non, on a quand même encore un petit peu de temps à attendre parce que l'air de rien, c'est quand même assez long. Du coup, pendant ce temps, on va s'occuper de ce cher monsieur. Voyons voir. Il te faut Alpha Kibble, Eternal Kibble. Alors ça tombe bien, on en a. L'Alpha Kibble, c'est avec ça que j'ai nourri les dinos ici. Ça se fabrique avec des œufs de dodo Eternal. Donc ça, je suis allé les chercher tout simplement dans l'autre base. Première base qu'on avait. Et au pire, ici, on peut aussi... Ouais, non, c'est bon. On peut aussi... J'allais dire aller les acheter, mais en fait, non, je pense pas. Ok, donc... C'est parti, ça craft. Là, il va normalement évoluer. Il va évoluer en je ne sais pas trop quoi. Je dirais peut-être un raptor ou quelque chose comme ça. Mais a priori, il est censé évoluer. Mon gros. Mon gros, mon beau compi. Tu vas évoluer. Vas-y, mon gros. Ou je lui fasse bouffer, vous pensez? Parce que là, en même temps, je le prends en photo, du coup. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Sors de là, toi. Parce que je pense que... Je pense qu'il faut qu'il n'y ait rien à l'intérieur. Hein. Concrètement. C'est... C'est... Mon dieu. Salut toi, level 600. Et il n'a pas d'XP, il est repassé level 0. Donc je pense que ça ne sert à rien de le faire XP, mais peut-être que je me trompe. Mais là, comme ça, a priori... Ah oui, d'accord, Dino Age. Ah, il a... Par contre, tout ce qu'il y avait dedans, ça a été bouffé. Ah, si j'avais su. Eternal Kibble, Matrix Core. Ah oui, d'accord, Dino DNA. Et à chaque fois, ça va coûter de plus en plus cher. Ok. Bah écoute, très bien. Très bien. Viens là, on va te prendre en photo pour la vignette.
On va faire ça ensemble, les amis. Ah, il est pas dégueu quand même. Ouais, tu es beau. Par contre, arrête de me suivre. Voilà, merci. Oui, tu es beau, tu es beau. Bon bah les amis, cet épisode va toucher à sa fin. Je l'aurai tourné dans la journée où il a été uploadé. Donc du coup, bah, c'est la première fois que je fais ça, je crois. Parce que là, j'ai fini de l'enregistrer. Je vais vous faire le petit montage et ensuite je vais vous l'envoyer. Donc a priori, vous devriez le voir ce soir, les amis. Donc j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et pour la prochaine saison 8 qui sort très bientôt, normalement cette semaine. Si tout va bien, on a eu un petit souci sur le serveur là. Mais rien de bien grave. Donc on se retrouve très très vite, les amis, pour de nouvelles aventures sur Ark et sur bien d'autres jeux. J'espère que ça vous aura plu. Ciao tout le monde, bye bye, portez-vous bien. Ciao.